Salut tout le monde, c'est Portia. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Démocratie 3. Donc c'est l'épisode 3 normalement. Je tourne cet épisode-là juste après l'épisode 2. Donc voilà, donc on est exactement là où on était arrêté. J'ai juste sauvegardé. Donc voilà, donc là je suis à plus 7 points de. Donc je vais pouvoir faire un truc. Qu'est-ce que je peux bien pouvoir faire? Donc c'est dommage qu'ils aient pas tout traduit quoi. Non pas que. Enfin, je trouve que c'est un peu chiant parce que c'est dommage d'avoir en gros des trucs qui à moitié traduits. Voilà quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bon, là, moi, quand même, ce problème de crime sur Internet me dérange beaucoup. Du coup, je vais améliorer encore le service d'espionnage. Même si, à titre personnel, je suis quand même plutôt pour les libertés individuelles, surtout sur Internet. Allez, l'élection. Donc, on va voir si. On va voir ce que ça va donner. Bon, j'ai l'impression que je gagne, hein, mais je suis vraiment pas sûr. Ouais. Donc les socialistes qui ont largement voté pour moi, les capitalistes qui ont largement voté pour les autres, les fermiers qui ont voté pour moi, les pauvres ils ont tous voté pour moi. Les classes moyennes ils ont classes moyennes ont voté très largement pour moi, les fonctionnaires aussi, les conservateurs aussi, tout le monde en gros, les immigrés aussi, les navetteurs, donc ceux qui prennent les transports en commun, les patriotes, les syndicalistes, les religieux, pas trop. Les riches, ils ont quand même plutôt voté pour moi. Travailleurs indépendants, ils ont voté pour moi. Enfin, en gros, tout le monde a voté en majorité pour moi, sauf les capitalistes. Et ceux qui se sont le plus abstenus, j'ai l'impression que ce sont les travailleurs. Non, ce sont les riches. Donc la pauvreté a augmenté, mais bon. Le chômage a augmenté sous ce mandat-là, c'est vraiment pas top. L'immigration, ça je m'en fous, qu'elle ait augmenté ou pas. Le revenu des classes C a baissé, le PIB a diminué, ça c'est un peu chiant. Ouais, putain. C'est très très chiant. Tac tac, moi j'ai l'impression que les salaires ont stagné. Ça c'est pas top. Les écoles privées ont baissé, ça je m'en fous totalement. L'usage du tabac a baissé, ça c'est bien, le tourisme a augmenté. Le revenu des classes populaires et des classes moyennes a augmenté, c'est bien, la demande de pétrole a baissé, c'est bien aussi. L'approvisionnement en pétrole a baissé, normal, puisque je n'ai pas besoin de pétrole. Le prix du pétrole a baissé, donc ça c'est bien. Donc voilà. Donc on va dire quand même que là, la priorité, ça va être de faire baisser le chômage. Parce qu'il a augmenté, et c'est pas bien, et il faut aussi augmenter le PIB. Est-ce qu'il a augmenté là, la surveillance internet? Non, moi je suis contre la surveillance d'internet comme je l'ai dit. Voilà. Donc ce sera le dernier mandat que j'aurai à faire. Voilà, excusez-moi, je mettais en place le chronomètre. Ça va pas bouger. Ça va, c'est toujours aussi haut. Ça continue à augmenter. Voilà, l'économie non compétitive a commencé à baisser. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Mon avantage technologique commence à augmenter. Le crime organisé a quand même vachement augmenté, mais il est en train de rediminuer, donc ça, c'est bien. Donc voilà. Allez hop. Ça va faire baisser le chômage, c'est bien. Ça fait augmenter la productivité. Allez, je suis un fou, je mets ça à fond. Comme je disais, moi, le déficit, je m'en tamponne. Hop. Crise de la dette, ça je m'en fous.
Enfin, très sincèrement, la crise de la dette, je m'en fous. Ma notation a augmenté, paradoxalement. Voilà. Ma taxe sur elle m'importe combien? Ça rapporte seulement ça. Top. Taxe sur le CO2. Ouais, ça c'est bien. Voilà, l'économie non compétitive, ça va quasiment se terminer, donc ça c'est bien. Les aides des entreprises, il va quand même falloir que j'essaye un peu de le limiter. Et la crise de la dette, on s'en fout un peu. Mais on n'oublie pas quand même que les objectifs, c'est l'obésité, donc ça continue de descendre. Donc ça c'est très très bien. C'est très très bien. Quasiment plus d'asthme. Bon bah du coup j'ai plus rien à faire au niveau de ce niveau-là. Hein. Ça c'est bien. Bon bah si c'est juste pour la société, je vais le faire. Je trouve que ça fait augmenter le... Ah oui, c'est, pardon, c'est limitation des salaires. Donc je peux mettre jusqu'à 5 fois, jusqu'à 100 fois. Mais ça n'a quasiment pas, ça n'a quasiment d'effet sur rien dans ce cas-là. Oui, moi sur 20 fois, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Ça fait une, pas une meilleure, ça permet pardon, une meilleure redistribution des richesses. Et on va faire ça au maximum parce que ça va augmenter la productivité. Le manque de productivité, c'est une des causes. Comment dire, la productivité fait baisser ce truc-là, donc ça peut être bien. On va voir ce que ça donne au tour suivant. C'est-à-dire la chasse au renard. Moi, je suis contre. Hein, c'est mignon les renards. Faut pas les tuer les renards. Non mais oh. Le PIB, comme le PIB bouge pas. Le chômage. Je sais pas ce que ça va donner. Là, donc l'écrit, hop. Hop. Voilà, donc on est quasiment à la fin de ça. Je vais encore augmenter ça. En plus, ça va faire baisser le chômage, donc c'est une bonne chose. Hop. Et je vais faire ça. Va. Visiblement, c'est une chose qui est pas trop mauvaise pour le PIB. Bon, moi, je suis pas particulièrement pour, mais bon. Et voilà, on a plus d'asthme, donc ça, c'est super. Par contre, le chômage a augmenté. Bon. Euthanasie. On l'autorise parce que quand même il n'y a pas de raison que il n'y a pas de raison qu'on laisse des gens souffrir sous prétexte que les empêcher de se suicider quoi. C'est je trouve ça totalement débile. Ouais non non. Moi je suis d'accord avec ça. Hein. Je suis d'accord avec ça. Ça va. En fait, c'est comment dire, c'est apprendre encore des. Prendre des cours
d'autres cours de langue. Donc moi je suis pour. Apprenez des langues, c'est super important d'apprendre d'autres langues. Sans déconner, c'est si vous avez l'occasion de partir partir quelques jours, quelques semaines à l'étranger pour parler une autre langue, faites-le. Sincèrement, faites-le. On va faire un monorail. Et hop, on va à fond là-dessus. Monorail, monorail, monorail. Super épisode des Simpsons par rapport à ça. Ouais, franchement, fou. Donc voilà, donc pour le moment ça bouge pas trop, on va voir ce que ça va donner. Toujours un avantage technologique, donc ça c'est bien. L'économie non compétitive est en train de sacrément diminuer, donc ça c'est super. Ça, ça bouge pas, la crise de la dette, et ça, ça, ça bouge pas trop. La fuite des cerveaux, ça ne bouge pas trop non plus. Ouais, non. Qu'est-ce que je viens pour faire d'autre? Ouais, je suis d'accord en fait, c'est pour dire que en gros les banques c'est pas ça va pas être le centre du monde, enfin le centre de la vie. Donc moi je suis d'accord avec ça. On va faire un suivi des détenus. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose en fait de pouvoir surveiller les détenus parce que ça désengorge les prisons et en même temps ce que j'ai, ben c'est très con, mais c'est que ça permet d'avoir une meilleure réinsertion. Si le mec est réinséré dans la société, il a plus intérêt à vouloir comment dire, à faire le bordel dedans, quoi, parce qu'il en fait partie. Le problème, c'est la marginalisation des détenus, c'est ça le vrai problème. Libérer République, parce que ça c'est important, c'est meilleur pour c'est une meilleure éducation. Et les retraités sont contents. Non, on ne veut pas de fracturation hydraulique pour les gaz de schiste. Je suis contre, contre, contre. Ça continue à diminuer, donc c'est très bien. Je vais rien faire d'autre. J'ai encore augmenté un peu les services secrets. Parce que vraiment, ce crime sur internet m'emmerde vachement. Mise sur écoute. Non, je suis contre la mise sur écoute. Pouf pouf. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un droit de douane. Parce que ça peut être. Non, je vais peut-être pas le faire parce que mon économie. Non, ça fait baisser l'économie non compétitive. Donc ça, c'est bien. Ça fait baisser le chômage. Non, par contre. Enfin, en fait, moi, je suis pour les droits de douane parce que c'est. Le laisser-passer, c'est pour moi, c'est une connerie libérale. En fait, c'est. Enfin, moi, je suis pour un droit de douane intelligent. C'est-à-dire que il faut que les droits de douane se passent sur des produits qui sont fabriqués dans des conditions humaines plus que dégueulasses. C'est-à-dire quand on fait des chaussures Nike. Ou avec des petits chinois qui sont payés 1 euro par jour, hein, pour être très 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 caricatural. Moi je suis loin d'être pour et je me dis
si ça peut forcer Nike à soit relocaliser la production de ses chaussures en Europe ou relocaliser ou augmenter je veux dire augmenter le revenu des ouvriers et faire en sorte que ce soit plus des petits Chinois qui le font mais des adultes, ben moi ça me va. Bon, par contre, il faudrait que ces douanes soient au niveau communautaire et pas, enfin, communautaire, c'est-à-dire au niveau de l'Union européenne et non pas au niveau de la France. Donc je vais le faire, même si j'aurais bien aimé avoir une option pour pouvoir gérer l'Union européenne. C'est un manque du jeu, je trouve, à ce niveau-là. Voilà, voilà, voilà. Bah, je vais faire ça, tiens, je suis con. Bah, depuis tout à l'heure, je voulais dire contre l'obésité. Pourquoi j'ai pas fait? Hop, je vais faire ça. Et que des effets positifs. Voilà. La pauvreté a baissé, l'éducation a augmenté. Ça, c'est super bien. C'est super, super bien. Non, moi je suis contre les bases de données pour l'ADN. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Faire énormément de choses ici. Ah, voilà, faire une campagne pour garder l'environnement propre, ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien, ça. Bah, je ferais bien ça, j'aurais bien ce que ça donne parce que j'ai encore jamais testé. Et voilà, fin de l'économie non compétitive. On a reçu un prix Nobel. Donc ça, pour le coup, c'est super bien. Donc voilà, donc là, les entreprises vont peut-être arrêter de se barrer. En tout cas, le PIB devrait quand même arrêter d'augmenter, enfin arrêter de diminuer, je veux dire. Donc alors, attendez. C'est totalement débile ça. Par contre, voilà, quand on disait que le jeu était basé sur une logique libérale, c'est que pour lui, la semaine de travail, ça fait attends. Le chômage influe sur la semaine de travail. Attends, je comprends pas tout là. Là, j'avoue que je comprends pas tout. Parce que normalement, la diminution du temps de travail au niveau de la semaine, ça fait diminuer le chômage. Parce que pour produire autant, si on travaille moins et qu'il faut, enfin si chacun travaille moins et qu'il faut produire autant au niveau global, ça veut dire qu'il faut embaucher plus de monde. Donc voilà. Bon. Là, je vais avouer que je suis quand même extrêmement perplexe. Est-ce que c'était dans loi et ordre, sûrement. Non, c'était pas dans loi et ordre, c'était où? C'était sur économie. Merde, est-ce que j'ai vu? Où est-ce que je l'ai vu, ce truc? Donc ça, c'est pour qu'il, c'est un label pour qu'il mange, mieux. Manger des pommes, comme disait l'autre.
Je vais mettre une taxe sur le tabac. Parce que le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Mais j'arrive pas à retrouver. Ah, mais c'était là. C'est dans service public. Donc, du coup, là, ce coup-ci, j'attends. Tour suivant. Non, non, j'autorise le mariage homosexuel. Tu me prends pour qui, toi? Mais oh. N'empêche, comme c'est bien là. Moi, j'aime bien ce petit carré-là. L'éducation qui est quasiment à fond, la santé qui est très bonne, le crime qui est très bas, la pauvreté qui est très basse aussi. Non, moi, ça me plaît bien ça. Service public. Et donc, je disais que je voulais faire la recherche sur les cellules souches. Voilà. Donc, je me demande bien ce que ça va donner. Voilà, on va voir. Pour le coup, on va voir. Et voilà, fin de l'obésité. Ça, c'est super. Juge doyen. Bon, je vais prendre un mec qui est contre les crimes violents parce que j'ai quand même toujours mon problème de crimes organisés et de crimes sur Internet, même si ça commence un peu à se résorber. Donc voilà. Pouf, dans le vrai, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais pas censurer Internet, c'est complètement con. Je peux aller à la prostitution. Bon, je vais mettre mise sur écoute, mais ça va être vraiment. Avec. Sur ordre judiciaire, hein, c'est tout. Ça, je m'en fiche. Ça serait peut-être bien quand même que l'économie mondiale se porte un peu mieux, quoi. Tac, tac, tac. Voilà, ça continue un peu à baisser, ça. Voilà, le crime organisé est en train de. Il diminue tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Il diminue, il diminue. Donc ça reste stable. Crise de la dette, ça bouge pas. Ça bouge pas. Bon voilà, il n'y a plus qu'à attendre voir ce que ça va donner ce truc-là. Moi, je suis pas pour les tasers, hein, quand même. Monter tes services secrets. Hein. Ah non, moi, je veux plutôt renforcer. Mais je m'en fous du libéralisme, enfin des libéraux, mais non, ben, non. Pas d'armes, c'est tout, quoi. Non, c'est bon, bah du coup, dans le tour suivant, je vais. C'est très con, mais je vais baisser. Productivité élevée. Boum. Ça, c'est fait. Hein, économie non compétitive, quoi. J'ai un avantage technologique. Et. Mais pour le coup, j'ai un avantage technologique et j'ai une productivité élevée. Donc, attends, il faut pas faire m'emmerder. Hein. On autorise les brevets logiciels, ça devrait avoir incidence intéressante. Donc voilà, là sur les armes, interdiction complète. Bim. Alors ça joue sur quoi? Ça joue sur le PIB, c'est tout? Sérieux, c'est tout? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Que j'avais bougé ça. Non, évolution seulement. Pouf. Ah mince, je fais au tour suivant.
d'accès aux terres, une partie de nos campagnes. Hein. La guerre des classes. soutenir la loi. Hop. Bon, c'est déjà ça. L'économie mondiale est en train de remonter, donc c'est bien. Donc le PIB remonte. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'avais tenté de faire? Oui. C'est où? C'est où? Tac. Ouais, je veux seulement l'évolution. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce troisième épisode. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Salut, c'était Au Portier.